Vous regardez RTL. Ma question est toute bête, puis alors là, Pierre Bénichoux devrait pouvoir répondre lui aussi, puisqu'ils avaient disparu depuis 2 ans et on annonce leur retour aujourd'hui dans Le Parisien. De quoi s'agit-il ? C'est quelque chose qu'on achète. Ah, quelque chose que vous allez acheter, Stevie. Au supermarché ? Au supermarché, oui. C'est de petite taille ? Non, pas pourquoi je dis oui au supermarché, au non, supermarché. C'est en boutique spécialisée ? Boutique spécialisée, oui, vous allez acheter ça dans le coin, là. C'est de petite taille ? De petite taille, oui. Mais pourquoi c'est deux boules ? Il a jamais mis tes deux boules. Non, mais... jamais, t'es obsédé là. T'es complètement obsédé. Non, il pensait à Godemiché. Il avait pensé au Godemiché, mais c'est pas les Godemiché. J'ai jamais dit que c'était deux boules. Mais non, mais enfin, ça va pas du tout là. Vous avez pas dit qu'il y a. Bah, vous, c'est vous qui. Tu vois des testicules partout, faut arrêter là. Non, mais c'est une blague. Mais non, il l'a jamais dit. Il l'a jamais dit. Testicules, attends. Mais non. C'est par deux. Les couilles. Remarquez, on brûle. Les nouilles. Les nouilles. Pardon ? Les nouilles. Non, mais on n'est pas loin. C'est lié à la sexualité. Couilles, nouilles. C'est pas lié à la sexualité, mais quand vous essayez de voir contraception, ce qui a disparu depuis 2 ans. Pardon ? Les morpions. Les morpions. Ah oui. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Alors ça, je ne savais pas du tout pourquoi, j'ai pas lu l'info, mais il va... Il s'agit... Couille, dès qu'il a dit couille, qu'est-ce qui est autour ? C'est le jeu à gratter. Voilà. Parce qu'il s'agit du jeu à gratter, évidemment. Oui, bien. Le morpion. Le morpion est de retour dans les bureaux de tabac. Il avait disparu depuis 2 ans. C'est pas pour nous, Pierre. Hein. C'est pas de notre niveau. On peut pas répondre à ce genre de truc. Voilà. Bah non, tu sais très bien, quand tu penses tu couille, il y a... C'est poil le... ou morpion ? Tu te vois sortant avec une jolie femme, une héroïne de Tchekhov. Qu'est-ce qu'on fait ? On va faire un morpion. Quelle horreur. Non, mais c'est bien les jeux simples, parce que maintenant, les jeux sont tellement compliqués. Là, il faut gratter, regarder. Ah bah, le jeu de Stéphane Bern a permis à quelqu'un de gagner quand même 13 oui, millions ouais, d'euros. 13 millions. On a entendu Stéphane oui. Ce matin sur RTL dire qu'il espère que le monsieur qui a gagné 13 millions reversera un peu d'argent au patrimoine. Bon, vous me direz, il a déjà payé le ticket de 15 euros quand même, hein, au départ. Il investirait dans une Véronée Akeda aussi. Alors, il a très bien commencé. Parce qu'il est allé déjeuner au Georges V. Et là, il aura, je me prendra le goût des belles choses. Il a vu la Tour Eiffel aussi pour la première fois, le gagnant. Oui, mais qu'est-ce qu'il a besoin ? Moi, il y en avait un, vu qu'il n'était pas fâché. Et ben voilà, c'est fait maintenant. Mais non, mais t'es grave, toi. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'argent, il arrive à Paris pour la première fois, il a gagné 13 millions d'euros. Mais il vous parle de Stéphane Bern. Oui, Stéphane Bern, qui méchamment. Ouais. Oui, mais même que l'organisation l'a emmené au Georges V, c'est mais normal. Oui, c'est voilà, oui. La Française normal, des Jeux. Il a fait un peu ridicule quand on est gardien. Tu ne vas pas l'emmener à Gare du Nord, mais à l'Hôtel non, du Nord. Quand on est gardien. Mais qu'est-ce que t'as contre la bouffe ? C'est beau aussi. Je déteste la bouffe. Ah. Elle te le rend bien. Non, pas du tout. La bouffe, pour moi, c'est la France. C'est pour ça. Oui, t'as des bugs partout, alors, donc tu manges la moitié des trucs et le reste, c'est sur non, la chemise. Non, je bouffe de temps en temps un truc. Oui, mais ça tombe sur la chemise. Cette folie de la bouffe qu'ont tous ces connards. Tout va mal, tout d'un an. Et puis la bouffe, le meilleur pâtissier. À 8h du soir, il faut voir. Le meilleur pâtissier. C'est honteux. Oh, c'est sur M6 qui est notre patron. Oui, monsieur. Oui. Qui te paye. Très bonne émission. Qui te paye grassement. C'est une très, très bonne émission. C'est sur M6. Oui, oui, c'est bien, non ? Excellente émission. En tout cas, les morpions sont de... Enfin, les morpions. Le jeu du morpion est de retour dans les bureaux de tabac.